Voilà la salle. On découvre les lieux. Et une salle qui n'attend plus que les gens, avec un premier rang qui est très proche. Donc ça, c'est chouette parce que du coup, je vais bien voir le public, quoi. Bonjour TAF TV, je suis Tanguy Pasturo, humoriste, chroniqueur, tout ça. Toute première fois, j'ai jamais joué dans le 95. Je crois que c'est vraiment voilà, ma première fois dans le département, donc c'est une grande, grande nouveauté. Ouais. Bah, moi, j'ai la chance en fait d'avoir eu la radio durant toute cette période, donc j'ai quand même gardé une activité quotidienne, ce qui fait que j'ai quand même fait des têtes chroniques, j'ai parlé, je me suis servi aussi des réseaux sociaux. Après, c'est vrai que le fait que les scènes, que les dates s'annulent, se reportent, etc., c'était quand même une grande souffrance de pas pouvoir rencontrer le public en fait, parce qu'en radio, c'est pas pareil, on est un peu entre nous, mais on voit pas les gens, et ça m'a manqué, ouais. J'aime les deux, c'est tellement différent. C'est-à-dire que l'avantage de la radio, c'est que c'est très vite fait. On fait sa chronique, on s'en va, on la déchire, on passe à autre chose. La scène, c'est un vrai investissement. On rencontre le public, on passe 1h30, 1h45 avec les gens. Donc voilà, c'est pas du tout ni la même écriture, ni le même rythme, ni voilà, il n'y a pas grand-chose en fait en commun, si ce n'est l'humour quoi en fait et l'écriture. Ça s'est fait moi par l'intermédiaire d'un producteur qui a voulu me faire monter sur scène. Moi sincèrement je pensais que j'étais pas fait pour ça. Je me disais je suis en radio, je suis voilà dans mon petit confort, dans mon studio justement, je me mets pas trop en danger. Il a su me convaincre, au début c'était un peu compliqué, et puis petit à petit j'ai pris goût à avoir les rires directement au lieu d'attendre d'avoir des petits pouces levés sur mes chroniques sur internet. Donc c'est une chose différente et moi ça me plaît beaucoup d'avoir ce retour immédiat quoi. Ça fait que 2-3 ans que je fais ça avec une interruption d'un an et demi pour cause de Covid. Donc je suis encore jeune dans le métier, pas jeune tout court, mais jeune dans le métier. Donc voilà, je commence à rencontrer les gens qui me suivent depuis des années et ça fait plaisir, ouais. C'est ça qui est chouette. Après, moi qui ai 30 ou 1000 personnes, je prends le même plaisir et je m'adresse... Enfin, je veux que les gens vivent la même chose et le même plaisir, quoi. On vous souhaite une très très bonne soirée à Taverny. Merci. Thank you.